Hey, salut à tous, c'est le 7C Fox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ATS, American Truck Simulator, avec l'épisode 3. Et pour cet épisode 3, avant d'aller plus loin, eh bien, il y a Jérémy qui est avec moi. Salut à tous. Voilà, mais Jérémy, le fiston, eh bien, il va monter dans le camion avec moi. T'as pas peur? Pas. Moi, je te dis, tu devrais avoir peur. Alors, vous allez peut-être pas bien l'entendre parce qu'on est connecté sur la même périphérique. D'habitude, ça a été comme ça quand on jouait à Farming Simulator 2015. On n'avait pas trop le choix pour le moment. On n'est pas passé sur Skype, on aurait peut-être dû. Mais bon, on va faire une course, il a voulu être avec moi. Donc comme je vais parler peut-être beaucoup plus que lui. Donc voilà, on va attaquer cet épisode 3. Vous avez un nouveau camion à l'écran. Eh oui, un nouveau camion, parce que pour l'histoire, la petite histoire pour faire rapidos, rappelez-vous, avec le 351, eh bien, on avait eu un accident à la fin de l'épisode 2 où j'étais monté carrément sur une bagnole. Mais rassurez-vous, pour tous ceux qui m'ont dit « Oh là là, mais l'accident, ceux qui sont dessous sont écrasés. » Non, 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 il n'y a rien eu. Il y a eu quelques bleus, mais tout le monde va bien. Tout le monde, voilà, tout le monde va bien. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, ce camion-là, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le camion du patron. Et oui, ce Kenworth, c'est un Kenworth K100. Alors, il est tout foupoudave, il est tout pourrave, il est tout pourri. Mais bon, on l'a récupéré ici. John m'a dit qu'il ramenait ici, à quelques kilomètres du garage. Et puis justement, on va entreprendre cette fameuse livraison. Je ne sais même pas ce qu'on va prendre, on va voir ça ensemble. Hein. Et puis tu vas rester avec moi, tu vas monter à côté, puis tu vas rester avec moi. Allez, on rentre dans le camion, je vais vous parler, il y a des nouveaux modes, il y a des modes que j'ai enlevés, il y a des nouvelles versions, et oui, je dis des nouvelles versions, parce qu'il y a des nouvelles versions de ATS, et oui, qui sont sorties dernièrement, officielles même, et j'ai eu du mal, parce que j'avais déjà des modes qui ne passaient pas. Alors, on y va, on va rentrer dans notre bahut, voilà, voilà, allez, on va le démarrer, impeccable. Alors, déjà, notre remorque, elle est où? T'as mis ta ceinture? Oui. C'est bon, ça va alors. Voilà, allez, ben on va prendre notre remorque ici. C'est une grande remorque. On verra après la carte et tout. Bon, l'intérieur classique, hein, d'un Kenworth classique. Mais c'est vrai que comme j'ai ébouillé le 351, mais j'avais pas d'autre solution pour repartir. Donc le patron a bien voulu. John a bien voulu me passer après m'avoir engueulé quand même. Hein, parce qu'il m'a bien engueulé le Gouya. Il m'a bien engueulé, hein. Et ouais, j'ai ébouillé le camion, mais il m'a dit, allez, on continue. Les erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Allez, regarde-moi ça. Tranquille, Emile. Hop, voilà. Allez, hop, clac. On va atteler. C'est bon, on a attelé. On va mettre le frein de parc. Et puis, on va quand même regarder cette remorque. Regarde-moi ça. Là, il y a de l'engin. Il y a de l'engin. Il va falloir prendre de l'arche, parce que sinon... regardez bien quand même ce Kenworth, hein. Bon, il est un petit peu, comme je vous l'ai dit, foupoudave, hein. Foupoudave, regardez-moi ça, il est un peu rouillé même. Mais bon, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Le patron m'a dit, John, il m'a dit, ça roule, vas-y, t'occupe pas. Allez, frein de parc, on enlève. On va aller au bout de la route. On va mettre, en attendant, le GPS en surbrillance. Et puis, on va mettre le petit rétro. Et on va s'avancer jusqu'au stop. Voilà, on va s'avancer jusque là. Et en attendant, enfin en attendant, et maintenant on va juste regarder la carte. Alors la carte, on part de Winnemucca pour passer à Reno et aller à Truckee. Truckee. Alors Truckee, en fin de compte, eh bien, on va passer en Californie. Là on est au Nevada. Et puis là on va passer, tu vois, en Californie. Alors je sais pas si on va avoir le temps d'y aller. C'est pour ça qu'on va pas perdre de temps. On va y aller tout de suite. Et puis en même temps, mais pendant qu'on roule, je vous dirai les modes, comme je vous l'ai dit. Voilà. Allez, ben on y va. Hein. Non, on n'y va pas. Tiens, on y va. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas ébouiller le camion de John. Parce que alors, sinon, on est foutu. Sinon, j'ai plus de camion et je me retrouve à pince. Bon, on est en 10e. On va voir jusqu'où ça peut aller. 13e. On va peut-être rester comme ça, on va voir. Quand on sera sur l'autoroute, je changerai mes rapports. Parce que je crois que c'est une boîte 18 vitesses. Pour le moment, on va rester comme ça. Bon, mais ça va, il roule bien ce camion. Ouais. Alors, dans cet épisode 3,
qu'est-ce que j'ai enlevé? Mais j'ai d'abord, j'ai enlevé des mods. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu dernièrement deux mises à jour officielles. Il y en a eu une le 11 novembre et une le 15 février. 11 novembre. Allez, on prend large. Oh putain, là ça tourne. Rate-moi ça. Nickel. Tu croyais que j'allais pas passer? Tu croyais que j'allais pas passer? Mais moi je passe, moi. Je rigole pas. Allez! Est-ce qu'ils vont me laisser passer? Il y en a un qui arrive vite derrière. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors, effectivement, il y a eu une mise à jour le 11 février. Et on a eu une autre mise à jour le 15 février. Alors, on a eu une mise à jour le 11 février où le jeu est passé en version 1.0.0.4S. Et dernièrement, il y a quelques jours, on a eu la mise à jour officielle qui est passée, qui a passé le jeu en version 1.1.1.1S. Exactement, voilà. On est sur une 4 voies et tu sais ce qu'on va faire? On va changer d'étage, voilà, comme ça je vais passer en 18. Impeccable. Ta roule. Klaxon, est-ce qu'il fonctionne? Impeccable. Impeccable, impeccable. Bon, voilà. Donc, il y a eu voilà, ces deux mises à jour. Normalement, sur la dernière mise à jour, alors je me trompe peut-être, j'ai pas eu le temps de vérifier. Normalement, cela, ça devait ajouter le Kenworth W900. Et j'ai pas eu le temps de regarder. Ce qu'on fera, on regardera à la fin. Normalement, ça a ajouté un camion. Oula, ça a ajouté un camion. Alors, on va faire gaffe quand même parce que vitesse limitée 129 km/h. On peut rouler à 129. Alors, faut faire super gaffe parce que je sais pas si tu le sais, mais dans ATS, dans American Truck Simulator, il y a les flics. Et si jamais tu dépasses la limitation de vitesse, tu vois, on a 129. Alors normalement, c'est la vitesse limitée. Mais de toute façon, on est bloqué à 100. Alors, je suis plus au plancher là. Hein. Là, je suis au taquet là. Oula, je suis au taquet. Donc voilà. Alors, il y a eu cette mise à jour. L'une des mises à jour ajoutées, normalement, le Kenworth W900. On va le vérifier à la fin, voir dans les concessionnaires, voir si ça, s'il y a bien le Kenworth W900. Voilà. Voilà pour les deux mise à jour officielle. Putain, mais on dirait que je suis bourré. Donne-moi ça. Bon, 118 km/h, 129 km/h. C'est bizarre ça soit 129 km/h. Ça me paraît gros quand même. Hein. J'espère que je me trompe pas. Il roule, hein? Ah ouais. Il roule bien même, hein? Ah ouais, ça roule bien, hein. Il fait clair et tout, paysage magnifique. Je sais pas si on pourrait faire un petit visu. Donne-moi ça. C'est bon ça. Ben, je vais revenir dedans parce que sinon je vais envoyer la voiture sur la lune. Alors donc, au niveau des mods, c'est ce que je voulais vous dire. Par contre, j'aurais bien voulu. Voilà, le GPS, on va le mettre comme ça. Ben, comme il est à l'écran d'ailleurs. Hein. Moi de toute façon, il me faut 50 GPS. Alors, pour les mods, qu'est-ce que j'ai retiré dernièrement à cause de justement ces deux mises à jour? J'ai retiré le mode. Le mode Extended Free Camera, Free Camera Photo Studio. Alors lui, je l'ai retiré parce que il me plantait le jeu. Je vous en avais parlé lors de l'épisode 1. Et le mode Alcoa Rim Pack en version 1 qui ajoute les jantes chromées au camion. Alors je m'en fais pas avec Alcoa. Je sais qu'il y aura. Je crois qu'il allait freiner. Je sais qu'il y aura plein de modes. Il y aura plein d'autres modes. Au sujet des jantes et tout, il y en a déjà, on en trouve déjà. Et par contre, ce que j'ai fait, j'ai rajouté d'autres modes. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté dans cet épisode 3? J'ai rajouté le mode Traffic Scene Pack. En fin de compte, ce sont des panneaux qu'il y a au bord des routes, mais des panneaux un peu plus américains. Comment dire, vous allez peut-être voir, pour le moment on n'en a pas vu. C'est des panneaux jaunes qui signalent des virages dangereux, mais c'est surtout pour les petites routes. Alors je ne sais pas si sur les grandes routes, les grands axes comme ça, il y en a. J'en sais strictement rien. On va voir ça, on va rester comme ça. Ah si, il y en a un, regarde, t'en vois un là. Voilà, mais ça fait partie justement du mode Traffic Scene Pack. Hop, on va mettre le clignotant. Alors il faudra quand même qu'on regarde parce que tu trouves qu'il est fort le son toi du camion, non? Ça va? Moi je trouve qu'il est légèrement plus fort et on entend à peine la musique. Alors là, oh putain, je vais me prendre une amende. Donc c'est bon.
C'est bon, c'est bon. Mais freinez pas, les gars. Freinez. Ils vont faire passer en rouge. Non, c'est bon. On a eu chaud là. Ce qu'on va faire, on va changer. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Changer d'étage. Voilà, on est repassé 13e et on va passer en 16e. On repassera en 18e une fois qu'on sera bien lancé. Et aussi, si vous avez remarqué aussi, j'ai rajouté tout simplement. Alors, on file tout droit, je vais en profiter. J'ai rajouté le mode météo. Alors, c'est un mode météo qui améliore la qualité. Hop, je parlerai après. Qui améliore la qualité de la météo. On va mettre les feux. Qui améliore la qualité de la météo, les textures, le visuel si vous préférez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mode SGAT Weather Mode en version 0.1.1. Alors, j'ai mis ce mode que m'a conseillé aussi Stéphana Stéphane, à qui je fais un énorme coucou, et qui m'a dit essaye ce mode parce que j'adore toujours les modes météo qui améliorent les textures des nuages et tout, par exemple du soleil, des couchers de soleil, des levées de soleil, et ça améliore un petit peu le visuel et ça le rend beaucoup plus beau. Ah, lui, s'il s'emmerde pas avec sa décapotable. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Il y a des belles bagnoles. Hein, ouais, ouais, il y a des belles voitures. Alors, on passe à Renault. On passe à Renault. Alors, le mode Traffic Scene Pack que j'ai rajouté, qui ajoute les panneaux. Le mode S-Gate Weather Mode que j'ai rajouté, qui améliore grandement la météo. Et le dernier, c'est le mode Truck Traffic Pack de Jazzycat en version 1.1 qui ajoute 13 nouveaux camions. Alors, 13 nouveaux camions, c'est pas tellement les camions, c'est surtout les cargaisons, les remorques qui sont différentes de ce qu'on aura pu voir. Alors, il y a la pesée, il y a ça aussi qui est nouveau. Il m'a pas dit d'y aller. On va passer en rapport 18. Voilà, on est en 18, ça fera moins de bruit. Mais il m'a pas dit d'y aller. Hein. Alors voilà, le Truck Traffic Pack de Jazzycat. Je sais qu'on le verra pas sur des grands axes comme là, mais sur peut-être en ville et tout ça, ben on le verra certainement. Et vous verrez que ben on aura peut-être des fois de temps en temps des remorques assez spéciales. Qui ne font pas partie d'origine du jeu, et c'est tout simplement le pack de Jazzycat. Là, il y en a un, regarde, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah non, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Ou les gendarmes. C'est ça, c'est ça. Tu vois les gendarmes, faut faire ça. Comme ça, ils sont contre. Il y a même deux bagnoles de gendarmes. Alors, la limitation, elle n'a pas intérêt de changer, il faut bien regarder, parce que si elle change et qu'on va trop vite, on se prend une prune. Et puis là, ils rigolent pas là-bas. Hein. Aux États-Unis, ils rigolent pas. Parce que John, il m'a dit, si tu prends une prune, c'est déduit de ton salaire. Alors, il y a intérêt de faire gaffe. Pour le moment, on n'a pas pris de prune. On n'a pas beaucoup de thunes. Et le but, c'est qu'avec cette livraison, eh bien, on en récupère. Alors, là, ça change, c'est joli, là. Je sais pas si on n'aurait pas changé d'état. Si, on a changé d'état. On vient de passer en Californie. Et voilà, on vient de passer en Californie. Ok, j'ai loupé le panneau, je regardais mon GPS. On est même pas loin. Hein. On est même pas loin de l'arrivée. Il reste quoi? Il reste. Putain, mais on a été vite. Non? Putain, il y avait 300 bornes. Putain, j'ai l'impression que ça a défilé comme qui rigole. Non? Bon. Est-ce qu'il va? Ouais, allez, on tourne. Bon, il roule bien ce camion. Il roule super bien même. Alors, ce que je voulais essayer aussi, ça je vous en ai pas parlé, mais je vais quand même vous en parler. Ce que je voulais essayer, c'était en fin de compte le mode Advisor. Advisor, c'est quoi? Oh putain, je suis encore fatigué. À chaque fois que je suis fatigué, à la fin, je me croûte direct. Mais c'est le mode Advisor, ça vous enlève votre GPS d'origine et ça vous met une barre tout simplement en haut qui enlève tout ce que vous avez en bas pour avoir un visu plus complet du camion. Et j'ai voulu le tester, mais la version du mode Advisor que j'avais ne fonctionnait pas, puisque ça me faisait planter le jeu. Donc on verra plus tard, je pense que je l'essayerai. Il y a les gendarmes. C'est les gendarmes.
Ça, faut faire ça. Si tu fais pas ça, ils vont faire sonner la sirène. Voilà. Succès. California Dreaming. Bon, on a découvert la Californie. C'est bien ça. Californie. Impeccable. On arrive sur de la bonne zik. Ah putain, là, faut s'arrêter par contre. Là, faut s'arrêter. Voilà. Wolber. Wolber, c'est là où j'ai été dans la première entreprise quand j'ai commencé à TS. Pas beau ça? Hein, c'est pas beau ça? T'en fous? C'est pas possible, c'est drôle. Voilà, et moi je baille. Il y a les gendarmes. Ouais, ouais, mais regarde. De toute façon, on tourne là alors. Ah ouais, ils sont là en plus, hein. Ils pistent. Ah ben on va chez Wolber. Ah ben impeccable. On va revenir chez mon premier patron. Ah là là, oh bah alors là. Alors tu sais où il faut aller. Alors là, je vais t'expliquer. Là, c'est un sacré chantier là. Alors, heureusement qu'on a du temps. On va mettre même les warnings. Je vais enlever. Voilà, on va mettre les warnings et je vais te faire voir un truc. Avant de se garer, regarde bien. Il faut aller se garer normalement là-bas derrière. Et vois le taille de la remorque que j'ai. Hein. Alors, on va s'avancer tout doucement. On va enlever le train de parc. Voilà. Et il va nous demander si on se gare. Comment on se gare? Voilà, c'est ce qu'il va nous demander. Tu vas voir, c'est nouveau. Friend Park, on fait entrer et voilà. Tu vois, il nous demande le stationnement de la remorque. Si on veut, tu vois, si... où en avez-vous besoin? Soit on prend ça, et là, c'est chaud bouillant pour se garer. Soit on fait, on joue la sécurité. C'est assez facile, il faut se garer tout droit. Ou soit, désolé, je suis pressé, on peut éviter de se garer. Alors ça, on peut le passer, ce menu, dans les options, on peut éviter de prendre ça et de sélectionner tout de suite, par exemple, ça, ça ou ça. Moi, ça va m'amener 90 XP d'expérience, donc on va choisir ça. Et ça va être chaud bouillant, tu vas voir. Là, on va rigoler, je pense, parce que tu vois, regarde où il faut aller se garer, juste le long du mur, là-bas derrière. Je te dis ça parce que j'ai déjà eu le cas pour me garer. Alors, la dernière fois, ce que j'avais fait, je vais te faire voir. La dernière fois, je m'étais enfilé ici, tu vois, un petit peu ici. Voilà, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. On va attendre que l'autre camion, voilà, soit droit. Et normalement, ma remorque, tu vois, elle n'est pas droite. Alors, déjà, je suis pas bon. Tu vois un peu le travail? Est-ce que tu as vu un peu le travail? Là, je suis mal. Là, je suis mal. Je sais même pas comment je vais faire. Comment je vais faire? Si, allez, on va faire ça. Oh putain. Attends, mon volant il est barré. Mon volant il est barré. Mais qu'est-ce que c'est cette bine? Je suis complètement perdu. Là voilà, allez. On va se mettre là-bas. Voilà. Allez, faut qu'on y arrive là. Y a pas à chier. Ça va être très dur. Ah non, mais il faut que je m'avance encore. Hein. Allez, on va faire ça. Comment veux-tu que j'aille mettre moi cette remorque là-bas de l'autre côté du mur? On peut pas faire le tour du truc là. C'est vrai, c'est chiant. Allez, on va essayer. Hein. Je pense qu'on va y arriver. Hein? Putain. Vois le truc quoi. Comment tu veux aller bouger ça quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ah merde! J'ai touché la voiture? Oh mais c'est bon. Ah mais je suis en train de la bouger! Ah oui, oui, d'accord. Oh là 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 là, le travail. On regarde pas. Allez, c'est bon. Chut. Ah mais oui, j'ai bougé les voitures. Oh mais je suis en train de monter ça. Oh là là là, j'abuse encore. Oh là là, j'ai pas vu. J'ai regardé moi je regarde derrière, mais c'est toi le copilote. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Parce que t'as abîmé toutes les voitures. Mais là on est mal barré encore hein.
Par contre, c'est de l'autre côté. On va mettre le deuxième. Pourquoi il s'affiche pas, ce putain de rétro? Pourquoi il s'affiche pas? Tu vois, faut que j'aille là. Vois le travail. Allez, on va se remettre droit. Maintenant qu'on est droit. Là, voilà. Allez. Ah ben là, il y est le deuxième rétro. Tu vois? Alors, si je fais ça, il est plus. Ah non, il disparaît, merde. Ah, oh, je suis en train de bouffer le popcorn. C'est pas grave. Ah, mais c'est bon. Ça gère. On pourra se reprendre plus facilement. Ça patine. T'as vu, on se débrouille pas trop mal. On est bon. On n'est pas là où il faut, mais on est bon. On va se reprendre juste après. Tu vas voir. On va les avoir, ces foutus de 90 d'expérience. Alors, faut faire gaffe parce qu'on risque de toucher derrière. Non, on est bon. Tu vois, on n'a même pas touché. Impeccable. Allez, on va se reprendre. Mon volant, il est comment là? Il est barré, non? Encore. Ah oui, il est barré. Bon, c'est pas grave. On va juste se mettre là. On va se remettre droit. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Merde, c'est pas ça. C'est le klaxon là. C'est pas ça. Voilà, hop. Est-ce que là, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, mais on va jamais y arriver là. Putain, m'énerve cette sonnerie. Allez, on va prendre là. On tourne. Je pense que je vais être très très... Ah non, on va être bon. Punaise, on serait bon presque. Putain, je touche, merde. Je crois... Oh là là, la vitesse, la boîte à vitesse qui craque. On est pas mal. On recommence. Allez, les chevaux au vent. Non, c'est pas là, c'est comme ça. Regarde. Putain, j'échappe le volant et tout. On va toucher le mur. Tu penses? Toi, tu te marres, toi. Faudrait pas qu'on touche. J'ai touché un petit peu. Bon, un petit peu. Ça patine. Pourquoi je suis... Oh putain, puis la musique me stresse. Oh, on va y arriver, hein. Je lâcherai pas l'affaire, hein. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Voilà, là on devrait être bon. Allez. Ah, regarde, là on va y arriver. Premier pet. On se redresse. Oui. Regarde-moi ça. Si j'ai chaud. Putain, j'ai chaud. Mais c'est pas des blagues en plus. J'ai super chaud. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est pas beau. Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverait. Bon, on a mis 3 heures pour y arriver, mais bon. C'est bien, hein. On pourrait voir la voiture que tu as bouffée. On verra ça après. Chut. On verra ça après. Bon, voilà. Alors, frein de parking. Impeccable. On va dételer la remorque. Voilà. On laisse la remorque. Progression, succès, compagnie collector, 4 sur 15. Voilà. Eh ben, excellent, il me dit. Voilà, tu vois. On n'est pas passé au niveau 3, mais on en est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Bon, on revient. Allez, on a laissé notre remorque. On va aller voir. On va voir où on se barre. Parce que là, si John... Ah ouais, mais il y a les flics. Tu sais pas.
Bon, c'est vrai, on a bougé un petit peu les voitures. Hein. Faut reconnaître qu'on a bougé un petit peu les voitures. Ouais, c'est vrai. Bon, on les a mis parallèles, en épi. Elles étaient garées en bataille, on les a mis en épi. Bon, ce qu'on va faire, on va juste rester là. Voilà, on va rester comme ça, impeccable. Regardez-moi ce visu sur, avec en derrière les collines et tout, de Californie. On est arrivé en Californie, c'est vraiment excellent. Voilà, on va rester sur notre beau camion. Il marche bien, hein. Oui. Marche bien. Bon, on en a chié, mais on y est arrivé. On a gagné quand même de l'expérience, on a gagné de l'argent. On a gagné plus de 3000 euros, je crois. Et c'est vraiment bien, 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 bien. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode 3 parce que j'ai super chaud. Je croyais qu'on n'allait jamais y arriver. On va aller boire un coup. T'as raison. Allez, on va aller boire un coup. On peut rester là. Non, on va peut-être pas rester là quand même. Hein. Hein, regarde le gars qui fait les vides. Chez Walbert. Alors, chez Walbert, tu crois qu'on peut aller... Mais c'est un magasin, c'est pas un troquet, ça. On va aller en face, là-bas. Il doit bien y avoir un saloon. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux, on peut aller manger un burger chez Race. Tu veux qu'on aille chez Race? Tu veux qu'on aille chez Race? Eh bien, on va aller chez Race. Hein. Allez, ben on va y aller. Nous, on repart, on redémarre le bahut. Allez, hop. Et puis, on est parti. Ouais, de toute façon, il faut que je me repose. Hein. Faut que je me repose. Voilà. Allez, hop. On reste juste là. Voilà. Je coupe même le moteur. Pour ne pas faire de bruit. Et avant de décoller, on va dire au revoir à tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 3. Pas trop catastrophique. Il y a eu pire, il y a eu pire. Voilà, on se retrouvera dans l'épisode 4, peut-être avec un camion, j'en sais rien de nouveau, je ne sais pas du tout. N'oubliez pas la vidéo, l'épisode 89 qui va arriver de ETS2, L7C Fox sur le Route de France, où on parlera d'un sujet assez important pour moi au niveau de casque. Et oui, puisque je veux changer mon casque, et je vous en parlerai dans l'épisode 89 de L7C Fox sur le Route de France. Bon, on a bien travaillé. On a bien travaillé, impeccable. Allez, ben on se dit au revoir, salut à tous, ciao. Salut à tous. Et puis on se retrouve pour l'épisode 4. Salut. C'était crevant. C'était très crevant. Regarde, je baille même. T'as vu, je baille.